Okay. Tu peux mettre ton retour plus fort pour moi, j'aime bien m'entendre plus fort. Attends, on est en train de régler ça, voilà. Allô, allô, parce que j'ai l'impression de parler fort comme ça. Ah, tu parles fort. Non, je parle, c'est j'ai mis. Pour ce combat comptant pour la demi-finale du tournoi de France pro. Troisième reprise. À la troisième reprise, Jean-Marc Moroz. Première reprise. Retenez. Voilà. 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 Voil
Thank you.
de suite, hein. Sécurité derrière. Ça pas trop loin. Une fois, encore. Encore. Bien le parking, c'est raté, ça. Encore, tout de suite. Dans bas. Sécurité. Sécurité, Jean, sécurité! Tout de suite, tu vas plus! Ne le laisse pas reprendre! Vas-y, tout de suite, il est mort!
Encore. Bon, catégorie Eurogène. Vainqueur par abandon au 4ème quartier du monde, Monsieur Moran Jean-Marc. Il est content d'applaudissement. Monsieur Francis Chirégois, qui a fait très bien battu sur la gloire.
touché, t'as touché un mât. Allez gros, allez minouet. Jean-Marc, c'est à nous, Jean-Marc. Jean-Marc, c'est à nous, Jean-Marc. Et deuxième vainqueur par arrêt de l'arbitre dans la quatrième reprise et qualifié pour les demi-finales du championnat de France des Lourdes-Légers. Jean-Marc. Quatrième reprise et qualifié pour les demi-finales du championnat de France des Lourdes-Légers. Go, go, go! Hey.
Allez. Thank you.
Bon, allez, papa, allez. Pas de côté. Milieu. Fort, fort. À toi. Les deux mains. Cœur les poings. Qualifié pour pas de KO, hein. E positivi. E che vuol dire? Innanzitutto è una dimensione di coraggio vera, perché andare là sopra ci vuole coraggio. Questo e poi sta a dimostrare prima di tutto. Ecco, si è fatto anche un nome a livello internazionale per quella disciplina. Ora è tornato in Italia, ha ricominciato con il pugilato, 5 incontri, 5 vittorie, ha di nuovo la porta aperta al Valetudo perché ha un ingaggio a Las Vegas dove il 20 agosto comincerà una serie di 3 incontri di Valetudo, ed eccoci qua, eccolo qua Monroso, personaggio il francesino, insomma un aspetto abbastanza internazionale, che conquistarlo è sempre un grande onore. È partito con quello, vediamo che cosa riuscirà a fare Sakara questa sera. Il legionario, gladiatore, insomma tutti i termini per identificare la sua romanità. Intanto, come detto, vincitore della Coppa di Francia, Jean-Marc Monrose, un mini torneo, ha dovuto sostenere 1, 2, 3, 4, 5 incontri, a distanza di 2 settimane l'un dall'altro. Intanto arriva sul quadrato Alessio Sakara, è un gigante, è più alto di Monrose, questa potrebbe essere la parte più importante del combattimento, nel senso potrebbe essere il dettaglio in grado di fare la differenza. È nato a Aix-en-Provence il 4 agosto 1981, hanno un mese di differenza in favore del francese, 8 vittorie di cui 4 prima del limite ed una sola sconfitta nella... Non avvicinarti all'avversario, stai lontano da lui. Peraltro occorre anche dire che Sakara fino a questo momento nei suoi 5 incontri disputati ha incontrato per 4 volte dei debuttanti in assoluto e la quarta volta un certo Florian Ilie al quarto combattimento, ma ha sempre sconfitto nelle 3 precedenti occasioni. Poi è sicuramente un avversario di valore questo, esperto ma soprattutto conoscitore del pugilato dal punto di vista tattico. E Sakara non riesce a trovare la misura, diciamo la misura per combattere quello che le è più confacente a lui, i colpi da lontano, perché rispetto all'altro il suo avversario ha delle braccia molto più lunghe. In effetti non fa pugilato perché non porta jab. Ecco, riesce a scaricare i suoi colpi. Non è riuscito a inquadrare però l'avversario perché Monrose è lì, è sveglio. Ci sono la montante gancio di Monrose. Ha sentito tutto Sakara, ha sentito tutto, per cui io confermo quello che ho detto nell'intervallo precedente, che non vedo uscita, ancora non ha trovato, non la troverà.
e non la troverà, credo che proprio botta al fegato, esaurito completamente, tremenda botta al fegato, tremenda. Un attimo prima aveva fatto l'occhiolino all'angolo Monroe. È finito, è finito il combattimento, è finito. Allora ci sono stati due colpi al volto più un corto gancio al corpo. Ora che andremo a rivedere nelle immagini che ci vorrà riproporre il nostro regista Tomassetti, ecco Sacara, ecco, vediamo, viva ancora avanti qui, eccolo il gancio, è il montante sinistro, e come il montante sinistro, il corpo è come prima, quello di prima, sì, è come il colpo che abbiamo visto di Marinelli. Sì, sì, lo stesso colpo. Sì. Però io ho la sensazione che Sacra abbia sentito più i colpi precedenti che questi. Beh, no, questo rivediamo un pochino. Vediamolo, ma ecco. Non so mica dove l'ha preso, più che l'ha accostato forse. Veramente non si riesce sempre ad avere l'idea chiara e pulita di dove arriva possiamo, il colpo. Possiamo rivedere. Anche la fase prima, sì, potenza notevole. Qua siamo alla fase finale. Per hanno sicuramente contribuito. Il montante. Ancora un altro. Un gancio sinistro. E adesso verrà. Eccolo questo qui. Infatti, sopra. Al volto. Ancora un montante. Sono tanti colpi che ha preso. Allora, per cui quel sinistro. Lui ancora. L'ha sentito, ma quasi proprio per sfinimento è andato giù. Vediamo certo, ancora. Ha preso una serie di colpi che. Eccolo qua. Ecco, è arrivato sì, largo, ma è arrivato proprio al fianco. Sì, non tanto pesante, no, a quel punto lì. Ma il contributo. Bastava una farfalla sulla spalla e sarebbe caduto. Appunto. Sì. Questo quello che mi dispiace è che abbiamo presentato questo ragazzo come veramente una grande speranza. E io credo che la speranza in questo ragazzo ci sia per poter fare il pugilato. Ma perché stante quelle che sono le sue condizioni atletiche, ha dimostrato fisicamente di essere in grado e anche quando ha portato dei colpi come doveva portarli, ha fatto vedere di saperci fare. Ma deve farlo il pugilato però. Solo che non ha continuato poi a fare il pugilato, ha fatto una specie di lotta ed era semplicemente una lotta la sua, quella di cercare di imbrigliare le braccia dell'avversario, di darle qualche colpetto da vicino, ma non fare delle azioni precise, quelle che dovevano essere portate dalla media distanza. Ed eccoci aver detto ufficiale, vittoria così. Per KO. Per Jean-Marc Monroso che vince così il mondiale junior dei massimi leggeri. Delusione chiaramente per Alessio Sacara, questa riunione era stata allestita praticamente per lui, oltre che per Marinelli, ci mancherebbe altro, ma è indubbio che la vera attrazione. Sì, era lui, quella era, che ha fatto era, sì era lui, che lo stadio fosse pieno e che ci fosse tanta attesa, ed era veramente tanta attesa. Onore nella comunque. Nella speranza di trovare un campione nuovo, un campione nascente, certo. Non è stato così oggi. Onore comunque una buona proprietà tecnica, una buona preparazione e anche.
Come on, man.
Opération Dragon. Voilà, messieurs, Gabriel et Chardot, bien sûr, et Edgar Wecker. Ah, l'arbitre. Appel de la quatrième reprise. Jean-Marc. Champion. Au champion de France antique, Kamel Amram. Le premier numéro sœur qui va se présenter à vous, il a 24 ans. Et le voici Jean-Marc Moroz, 24 ans, né à Melun, mais qui vit à Marseille depuis l'été 2003. 13 victoires, dont 8 par KO. C'est le challenger ici à Marseille. On va l'accueillir comme il le mérite, comme il le doit. Allez, tout le monde debout. Debout Marseille, debout Valier, pour accueillir le challenger. Il dispute ce soir son 15e combat, 13 succès, 8 remportés avant la limite, une seule défaite. Ce 15e combat, c'est le plus important pour l'instant de sa jeune carrière. Troisième saison seulement chez les professionnels. Il est challenger de Kamel Amran, il a un style qui plaît, il est spectaculaire et il a tout dans les gants. Ouais, c'est vrai, il a le punch en plus et ça rend bien service. Alors c'est vrai que ce combat, on peut presque dire, on pourrait dire, c'est peut-être un petit peu tôt. Mais la chance se présente et Jean-Marc Moroz n'est pas un homme à se défiler. Donc il accepte ce premier grand défi et doit confirmer ce soir son gant du meilleur espoir reçu l'année dernière. Et voici Jean-Marc Moroz, vainqueur du tournoi de France en 2003-2004, vainqueur de la Coupe de France en 2004-2005. Il a gravi petit à petit les échelons pour donc défier dans les 9 dernières secondes de la 10e et dernière reprise. Un des deux boxeurs est KO. Eh bien, le gong peut sauver le boxeur KO. Voilà. Et ensuite, on ira à la décision des juges. Voilà, l'arbitre. L'arbitre, c'est monsieur Joseph Martinez. Martinez, bien sûr, de Toulouse. Et c'est... Esquive latéral, le domaine, le crochet gauche, sors-moi-le ce crochet gauche. Tu sais, c'est un qui vit rien derrière. Sors-moi-le ce crochet gauche, il va bouger là-dessus. Ouais. Il va bouger là-dessus. Allez, quand tu m'as fait cette esquive, là, reviens avec le crochet gauche, sur deux coups. Ok. Après, c'est les tatata. Tu la mets pas beaucoup, ta droite. Hein. Les gars, tu peux le coup droit. À la fin, il faut bien que tu joues. Ah, d'accord. Voilà, confirmation des propos que vous avez entendus dans le coin d'Abran. Il ne faut pas laisser faire parce que. Tu sais qui on a le titre en poche, hein. Il faut serrer les dents. T'as que le 7e, 7, 8, 9, 10, 14. C'est tout. Ouais. T'as que le 7e. D'accord. C'est bien. Oh, c'est le 7e à 5 à 3. T'inquiète, Jean-Marc. Allez, mon fils. Non, ça va pas. C'est-à-dire s'il a un point de côté. Respiration, Jean-Marc. C'est une bonne nouvelle. Trois tu l'as vu la ceinture à la taille. De côté, ça me tracassait et il a dit ça va mieux. À tout moment, il peut te contrer. Ok. Jean-Marc, on est chez nous. Tu le veux le titre. Allez. C'est un combat qui se déroule de façon très claire, très clean. On n'a pas vu Monsieur Joe Martinez qui se fatigue pas beaucoup finalement. Il n'a pas de respiration. C'est pas le Kamel qu'on connaît justement. C'est pas le Kamel d'Amran. Gauche droite. De l'habitude, il y a des jours où ça va moins bien. Hein. Mais il n'a rien de spécial. On voit, il a un peu souffle court. Il est marqué maintenant. On le voit puisqu'il est tout près dans le coin. Et ça va pas comme il veut dans la tête, on voit bien. Il y a un problème. Que... Okay, on se souvient de ce qui était arrivé à Jackson Chanet, malheureusement à l'occasion alors du championnat d'Europe, lui qui menait au point, s'était fait contrer dans la dernière reprise, donc prudence, il a bien travaillé jusqu'alors, 3 minutes, 3 minutes. Quand on se réveille le matin, c'est comme tout le monde, hein. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien. Là il a fait une très bonne dernière reprise, Kamel, mais ça ne sera pas suffisant à mon avis. Et on va attendre la décision avec impatience. Ouais. La ceinture nationale est déjà sur le ring. Qui c'est qui le mérite ? Il est
Joly se croyait beaucoup. Ouais, ouais. Tu as bien travaillé, c'est vrai. Mais tu le sais, toi, tu le diras toi-même, des progrès, il t'en reste encore à faire. Oh là là, ouais, je l'ai déjà dit avant. Je sais que là, je suis. Bon, on m'a demandé aussi à combien j'estime être arrivé à mon pourcentage. Je pense que je suis seulement au début et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, du boulot et j'ai encore, je pense, une marge de progression. Je pense qu'on peut bosser encore. On est que la troisième saison et je pense qu'on a, on a du. Elle. Attends, parce que je vois qu'il veut mettre sa casquette. Oui. Ah, il veut mettre sa casquette. Non, c'est bon. Champion de France, il veut mettre sa casquette. C'est bon. On va la mettre là, comme ça, voilà. Impeccable. Le t-shirt était prêt, la casquette aussi. Jean-Marc Monrose, champion de France en cette année 2006. Tout d'abord, félicitations. Merci. Vous vouliez vaincre un monsieur, comme vous l'avez dit. Non, actuel. Ho! 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 Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Et qui c'est qui va tenir de coup si tu as passé ces missiles là? Hein? Allez les gars, oh, après vous, hein, vous faites bien les champs. Parce qu'on le fera à chaque fois si vous le faites bien. C'est tout. Ok, voilà donc l'arbitre qui demande à Louis Lavallée de sortir du ring. Et c'est parti donc pour ce championnat d'Europe lourd léger entre le Danois Johnny Jensen en short noir face à Jean-Marc Morose en short noir. Les bandes de Jean-Marc Morose sont plus importantes. Et tout de suite, vous pouvez le constater, on en a parlé Jean-Claude, la différence de taille entre les deux, 13 cm, ce qui va obliger bien sûr Jean-Marc à avancer, à aller chercher son adversaire. Il y est habitué parce que des boxeurs de sa taille, il en trouve rarement. Finalement, lorsque l'on est grand, on a aussi des problèmes parce que... Oui, belle droite, qui a surpris Johnson. Elle n'était pas avec le poids du corps, mais elle est arrivée à la pointe du menton. Et il l'a accusé. Et il est déjà marqué sur la pommette gauche, Johnny Jensen. Et il a l'air ébranlé par Jean-Marc Morose. Il n'a pas récupéré de la première droite. Et on a encore une droite qui est arrivée. Oh, il a le regard un petit peu perdu, Johnny Jensen. Et la gauche encore qui est arrivée. Alors je vous l'ai dit, les athlètes danois, c'est vrai, sont très bien préparés. Il a été surpris par cette droite, il n'a plus récupéré. Et il a surtout fait très très mal au foie. Et là, on ne récupère pas. Et le palais des sports de Marseille est debout. Et Jean-Marc Morose va continuer son travail de sol. Il ne peut plus donner un coup, Johnny Jensen. Et l'arbitre est tout prêt. Oh, il a pris une droite encore. L'uppercut, tout passe. Tout passe, stop. Et l'arbitre, monsieur Gassalis, qui décide de la première reprise d'arrêter ce combat. Jean-Claude, on va être un champion d'Europe. Il est champion d'Europe. Je l'ai dit, c'était pas prévisible comme ça, ce n'est pas un puncher, mais il a surpris à froid ce Jensen par une droite qui paraissait anodine, qui lui est arrivé à la pointe du menton. Sécurité grave, t'as entendu, hein? T'as touché la main, sur la faute. Tacle les percute, tacle les percute. La faute, la faute, la faute. Come on!
trop bon. Il est trop bon, c'est pas possible. Félicitations. Montez, montez. Venez, venez là, venez. Je suis en pleurs. Venez. J'ai dit que c'était un délire. C'est trop fort, ouais. C'est trop fort. C'est vraiment, vraiment trop fort. Ah oui, je suis en pleurs, excusez-moi. C'est trop fort. Félicitations, le grand. Merci. La boxe comme ça, on aime. Hein. C'est gentil. Venez, je suis là. Merci pour tout, merci. Félicitations. Merci. Jean-Marc, lundi. Dis le bouton, le bouchon est sorti. Tu peux pas savoir, peut-être, pas sans. Tiens, spartiate. Bonjour, bonjour, bravo, merci. Voilà. Il mérite, c'est un grand monsieur. Je sais pas. Je savais que c'était bon, je voulais qu'il arrête l'Union Européenne. Et voilà. J'ai entendu qu'il manquait celle-ci, voilà. Donc, voilà, Louis, ton cadeau. Merci, bien, Jean-Marc. Merci, merci. Souvent, on m'a reproché, on m'a dit, tu es champion du monde, mais tu n'as pas eu de champion d'Europe. Donc, on ne pourra plus le dire.